Hey, salut à tous, c'est DFX09, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui pour la customisation du minivan, donc le Vapid minivan. Et juste avant qu'on commence cette vidéo, en fait, je tenais juste à vous remercier car j'ai atteint les 500 abonnés sur ma chaîne et ça, c'est grâce à vous. Donc un très grand merci à chacun d'entre vous, ça me fait énormément plaisir. Je sais vraiment pas comment vous remercier. Et donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier car il n'y a pas longtemps j'étais à peine à 300 abonnés. Et puis donc voilà, un très grand merci à vous. Et sur ce, j'espère que cette customisation vous plaira. Je vous laisse avec la petite intro et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Donc voilà les gens, on se retrouve maintenant pour la customisation de ce véhicule. Donc j'espère sincèrement, enfin je vais m'améliorer parce que c'est vrai que quand j'ai fait ma Tornado, j'avoue que c'était pas tip top. Donc cette fois-ci je vais essayer de me rattraper, on va essayer de faire quelque chose de plus joli. Mais comme d'habitude je vais pas m'attarder sur les choses de base, donc tout ce qui est pneus, enfin vous voyez quoi, ou pas. En tout cas voilà, sachez juste que à l'achat ce véhicule il coûte 30 000 $, à moins que vous le trouviez dans la rue, ce qui est faisable, hein, bien évidemment. Donc c'est parti, pour la transformation, il faudra débourser ben, 330 000 $. C'est un peu cher, on va dire, mais bon. Allez, c'est parti, transformation. Ouh. Déjà comme ça, c'est la classe. Hop, excusez-moi, j'ai eu une petite, un petit appel. Donc voilà, je disais, on va commencer tout de suite avec le blindage, donc comme d'hab à fond, les freins à fond, le moteur. Bloc moteur, alors qu'est-ce qu'on a? J'imagine que pas grand chose de nouveau. Ouais, voilà. Pour l'occasion, étant donné que je sais pas ce que je vais mettre, donc je mets la couleur de la peinture, on verra après par la suite. Le filtre à air, qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? Bah, toujours le même. Du coup, je mets celui-ci. Réglage moteur, donc voilà. C'est pas très cher, hein, regardez. Bon, ça grimpe rien du tout, mais bon. Ensuite, échappement. Oh, on n'a pas grand-chose, voire rien du tout en fait, mais bon, pas grave. Explosif, non. Calandre, qu'est-ce qu'on a? C'est vrai que le chrome, là, calandre bling bling, ça me tente pas trop, du coup je laisse. Les klaxons, donc comme d'hab, toujours les mêmes. Pour l'occasion, je vais mettre San Andreas. Pompe hydraulique. Donc oui, ce que j'ai pas précisé la dernière fois, c'est qu'en fait, les plus chers, c'est ceux qui font le plus de son, en fait, qui ont plus de puissance, on va dire, voilà. Je sais jamais, c'est écrit dans la description à chaque fois. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas dit l'autre fois, donc voilà. Ensuite, je regarde. Bon, je laisse celui-là. Habitacle, je vais pas revenir tout de suite. Étant donné que je sais pas ce que je vais mettre couleur. Je vais pas faire la même erreur que la dernière fois. Du coup, on va voir directement les motifs. C'est ce qu'il y a de plus intéressant, on va dire, avec ces véhicules. Donc c'est parti. Le premier, donc voilà. Ressemble énormément au précédent. Donc, discret. Ensuite, celui-là, ben... pourquoi pas? Pourquoi pas? Ensuite, ok. C'est des plus simples, on va voir s'il y a des plus gros. Pas trop fan de celui-ci, même, quoique. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Ensuite, nous avons le complètement géométrique. Ok. Le labyrinthe bleu. Plutôt stylé, plutôt stylé. Après, il faut voir avec la couleur qu'on mettra sur notre véhicule. Labyrinthe verte, donc vraiment les mêmes, mais juste la couleur. Toute flamme, ouh, pam pam pam. J'arrête. Ensuite, ouais, ça me fait penser à Pip My Ride. Bref, la place des morts. Et à mon avis, il y a des têtes de mort, mais bon, c'est en noir. Du coup, pop pop pop, je vois rien. C'est quoi? Ouais, il y a des trucs. Bon, moi ce que je propose pour l'occasion, on va partir sur du vert. J'hésite. Faut pas que je perde trop de temps, hein, mais bon. Le vert ou le bleu? Vous savez quoi? On va partir avec les flammes. On va faire un truc à la Pip My Ride, ça va être ça, voilà. Ensuite, donc, prenons votre plaque. Non, peinture, voilà, peinture. Couleur principale. Mat. On va voir qu'est-ce qu'on peut mettre dans du mat. Non, le mat, ça fait pas tip top, je trouve. Je vais plutôt mettre quelque chose de flashy. Voilà. On va aller vers le métallisé. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre? Hop. Essayez que je vais partir sur quelque chose de classique cette fois-ci. Je vais pas essayer de trop colorer parce que, franchement, pas tip-top.
Mais c'est vrai que le mauve nocturne. Ou le bleu. Ou le bleu, pourquoi pas. Mais c'est vrai que le mauve, il me plaît. Donc on va voir. Attendez. Il est où? Il est où? Il est où? Voilà, mauve nocturne. Pourquoi pas. Ou noir. Non, je pars avec ça. Bon, après, je peux toujours changer. Mais c'est vrai que le noir, en fait... Non, non, non. Non. Voilà, ça donne un petit côté un peu cool. Cool, cool. Ensuite, les gens. Ah ouais, pourquoi pas nacré. Des fois, quand on met du nacré par-dessus, ça donne des trucs qui font. Mais là... Bon, on reste comme ça. On va pas perdre trop de temps. Couleur secondaire du métallisé, c'est quoi? Ouais, je vois rien du tout. Non. Bon. Peut-être que je fais pas attention, je sais pas. C'est pas le plus important. Couleur finition. Du coup, moi ce que je propose, c'est qu'on parte sur un truc cohérent. Soit le jaune. Oula. Le jaune racing, voilà. Caméra. Hop, attendez. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Mais je pense que le jaune, ça donne bien. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. On va partir sur du jaune. À moins que le violet... Ouh. Ouh. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mauve nocturne, violet. Allez, on part sur du violet. Emblème de coup, non, je mets pas pour l'instant. Le toit, qu'est-ce qu'on peut mettre sur le toit? Perso, je suis pas fan. Mais ça donne un petit côté, bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, on pourra toujours modifier, donc voilà. Aileron. Ouh. Ah ouais. Ouais, 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 ça me va. Transmission, donc ça, comme d'hab. Coffre. Ah ah. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a? Ouh. Il est joli, celui-ci. On va voir les autres. Oh là 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 là. Bon. Là, il y a un peu plus... Ouh, ça fait vraiment... Peep my ride. Je sais pas vous, mais... Ah, c'est trop. Mais... On va partir dans l'extrême. Vous savez quoi? Non. On va faire quelque chose de joli. Voilà. Ensuite, turbo. Donc, ça à fond. Les roues. Type de roues. Création bénise. Alors, on va mettre un truc doré. Hein. Hop, ouais, ouais, c'est pas évident de trouver. Hop là, on va voir chez Exclusivité Bénis qu'est-ce qu'ils ont. Je regarde, hop. Ouais, on va mettre quelque chose de doré, hein. Ça donne plus beau. Du coup, je reviens là, Création Bénis. Celui-là, c'est un que j'aime beaucoup. Du coup, je vais le mettre, c'est le Royal Doré, voilà. Ensuite, couleur de jante. Maintenant, pneus, voilà, apparence des pneus, voilà. Ouais, les bandes là, comme ça, oh là là. Amélioration pneus, ça rend toujours. Fumée, du coup, je vais mettre du jaune, voilà. Ensuite, faut faire l'habitacle. Hein. Pour l'occasion, non, je vais pas trop teinter, je mets juste un petit peu comme ça. Ouais, un petit peu, légèrement. Ensuite, donc, on revient sur l'habitacle. C'est parti, donc, finition. Qu'est-ce qu'on a comme finition? Voilà. Ouh. On a moins. Là, je vais faire un truc à la Peep My Ride, je vous dis tout de suite. Hein. Ouh. Ouais, ouais, on va mettre ça. Voilà. Couleur de finition. Non, ça, on a dit qu'on touchait pas. Ensuite, décoration. Qu'est-ce qu'on peut. Bah, c'est toujours les mêmes figurines, c'est dommage. Du coup, est-ce qu'il y a un qui ressemble un peu à Exhibit? Lui, non. Ouh, pas du tout. Allez, je vais mettre, je sais pas moi. Ouh. Non, je vais mettre quand même celui-là. Cadran. Donc ça, bah, moi j'aime bien le... Enfin j'aime... Je sais pas. La tête de mort. C'est des choses qu'en fait je m'attarde pas trop parce que c'est pas très important, vraiment. Par contre, portière, ouh. J'imagine qu'il va avoir 40 000 à la fin. Pouah, ça c'est trop moche. Honnêtement, c'est trop moche. J'aime pas, personnellement. Du coup, je vais mettre celui-ci, voilà. Les sièges. Ah bah il n'y en a pas beaucoup, mais on met celui-là. Les volants. Qu'est-ce qu'on a comme style un peu de fou? Ouh. Franchement, c'est jamais facile de trouver le bon truc, quoi. Mais Oula. Oh là 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 là. On va mettre celui-là, pourquoi pas.
Levier de vitesse, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ouh, celui-là, ouais. Non, pourquoi pas. Plaque décorative, l'autre fois j'avais oublié. Donc on va mettre. Normalement, il y a des roses, voilà. Enfin, je crois. Bon, on met San Andreas. Couleur éclairage. Donc ça, c'est vraiment les petits détails. Qui est pas très intéressant, mais bon, on fait avec, hein, on fait avec. Donc. Allez. Je laisse en blond. Et enfin, je crois qu'on a fait un peu le tour déjà. Ouh, le vapide. Vous savez quoi? On va quand même voir les motifs une dernière fois, voir comment ça donne avec le violet là, enfin le mauve. Motif. Je vais être sûr que j'ai pas envie de le regretter après. Bon là, on voit pas. Dommage. Bon, du coup, faudrait que je change après la couleur, mais non, on va garder les flammes, je pense. Ouais. Je suis un peu déçu, mais bon, pas grave, on fait avec. Hop. Donc voilà, comme je dis, le but c'est vraiment de vous présenter les nouveautés. Après, c'est vrai que je suis pas le plus fou, le plus bon. Enfin, je suis pas bon en customisation, mais bon. L'important c'est de vous montrer en fait le véhicule. Donc voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Coffre, fenêtre, ça c'était bon. On a tout fait, donc voilà. On va vite essayer, voir ce que ça donne sur la route. En plus, on est de nuit. Donc voilà. On va voir comment il saute là. Hop. Lester, tu te calmes, s'il te plaît. Ouh, il est lourd, hein. Oula, il est lourd. Il est lourd, le véhicule. On le sent. Hein. Donc voilà. C'est les bouts de nuit. Je vais quand même faire ça en fait. On va sortir vite fait du véhicule. Je me mets à la première personne. Et on va ouvrir les portes. Attendez. Hop. Attends, on va faire comme ça, inventaire, parce qu'en fait j'ai des lunettes, accessoires, lunettes. Attendez, j'enlève juste, parce que ça fait un petit effet de filtre. Voilà. Putain, il est dégueulasse mon personnage sans ça. Donc je reviens en arrière. voilà, portière. Hop là. Donc, on prend une arme. Pop, 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 pop. Voilà. Fait, non. Donc voilà la petite voiture de nuit. Oh, regardez là derrière. Oh là là. Pas mal de trucs, pas mal de trucs. Vraiment bling bling bling. Hein. Vraiment pimp my ride, moi je trouve. Hein. Je sais pas pourquoi, mais voilà. En tout cas, les gens, j'espère sincèrement que ce petit véhicule vous aura plu. Franchement, enfin la vidéo surtout. Parce que moi, le véhicule en ce qui me concerne, c'est pas mon kiff. Vraiment pas. Je pense pas que je vais l'utiliser. Donc. Mais en tout cas, le but c'était ça, de vous montrer un peu le véhicule. J'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos impressions. si vous voulez que je change des choses sur ce véhicule, ben pourquoi pas. Et sur ce, je vous rappelle donc, encore avant qu'on se termine cette vidéo, c'est que la semaine prochaine, il y a la Sabre Turbo. Et ça, c'est vraiment le véhicule que j'attends avec impatience, qui m'intéresse parmi les trois véhicules qui sont sortis récemment. Donc voilà les gens, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Encore une fois aussi, un très grand merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. 500 abonnés, c'est vraiment énorme pour moi. Donc voilà, merci beaucoup les gens et je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao! Hop là, attention, non, 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 non. Ben voilà, ben bravo. Allez, à plus les gens, ciao, ciao.